De presse destinée à présenter le programme officiel 2015 année de la Russie à Valère, ainsi que les grandes lignes de l'organisation de cette opération. Comme vous savez, son Altesse ici notre prince souverain a annoncé le lancement de cette année de la Russie au début du mois de janvier dernier et le gouvernement princier a eu l'opportunité lors d'une première conférence de presse, de communiquer et de rendre publique une invitation à tous les organisateurs publics et privés à s'associer, s'ils le désiraient, à ce projet ambitieux et inhabituel. Je voudrais aujourd'hui remercier très sincèrement toutes les personnes qui sont présentes et je commencerai bien sûr par les représentants de la Fédération de Russie, M. Schwitkoy, l'ambassadeur Orlov et toutes les personnalités qui vous accompagnent. Je voudrais saluer aussi tous les journalistes et les professionnels de la presse qui sont présents ce matin, qui se sont déplacés de Paris ou de Moscou et qui témoignent ainsi de leur intérêt à cette opération. Je suis heureux aussi d'accueillir les représentants des organisateurs des nombreuses manifestations et initiatives composant 2015 année de la Russie à Monaco et qui regroupent à ce jour 128 projets qui seront détaillés tout à l'heure par son Excellence Monsieur l'ambassadeur Henri Fisseur, ambassadeur en mission auprès de moi, qui a notamment assuré avec beaucoup de succès la coordination de cette opération assistée par M. Jean-Sébastien Fiorucci, conseiller technique au département des finances et de l'économie. Enfin, je voudrais très sincèrement remercier les représentants des sociétés ayant accepté d'être partenaires officiels de 2015 année de la Russie à Monaco. Je voudrais citer Moedensi au salon son président, mon ami M. Navarre, GPB Global Ressources, la Société des Bains de Mer, Oreza, ici, l'homme d'être là, et Julius Baer, qui sont aujourd'hui présents dans cette salle prestigieuse mise à la disposition du gouvernement par le musée océanographique. Il est utile de rappeler que les manifestations et initiatives projetées à compter du 19 décembre prochain, date inaugurale de 2015 année de la Russie à Monaco, avec la première représentation des célèbres ballets du Bolshoï, je voudrais saluer la présence de sa directrice ici parmi nous, vont permettre de découvrir ou de mieux connaître l'histoire, les traditions et la culture de la Russie. Elles vont également permettre de souligner et de rappeler les liens existants entre nos deux pays depuis plus de 150 ans. C'est en 1856 que l'impératrice veuve du tsar Nicolas Ier choisit de séjourner à Nice. Nice qui appartient au royaume de son père et non à la France. À cette époque, Monte-Carlo n'est pas construit encore par Charles III. L'expression même de Côte d'Azur n'existe pas, mais dès son premier séjour en 1856, l'impératrice reçoit le prince Charles III, prince souverain de Monaco. Ces manifestations, non seulement sur la partie culturelle, bien entendu la plus importante, mais aussi sur d'autres facettes, l'éducation, la science, l'économie, le sport, la protection de l'environnement, la gastronomie, la mode ou encore les disciplines de l'esprit. L'opération envisagée a été rendue possible grâce à la constitution d'un groupe de travail que j'ai eu le plaisir de présider et qui a été notamment composé de leurs excellences M. Schwitkoy et Orlov, ainsi qu'à la mise en place du CDE opérationnel sous la responsabilité de M. l'ambassadeur Fissin. Elle a surtout été le fruit, cette préparation, de la profonde implication d'un très grand nombre d'acteurs
que ce soit l'Amérique, les entités publiques, le centre de presse, la direction des affaires culturelles, la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la direction du tourisme et des congrès, ou liés à l'État, comme la compagnie des ballets de Monte-Carlo, le forum qu'on a dit, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, ou encore privé, la SBL, mais aussi plus de 60 organisateurs divers, habituels ou occasionnels. Ce formidable élan et entrain de tous mérite d'autant plus d'être mis en avant que l'opération 2015 année de la Russie à Monaco a été décidée il y a à peine 10 mois et que la multiplicité des événements organisés chaque année en principauté, associés au nombre relativement limité d'espaces d'accueil, n'a pas toujours rendu la tâche facile. C'est la raison pour laquelle il nous fait l'honneur de venir de Moscou pour participer à cette conférence de presse et qui a été particulièrement actif depuis le début de la préparation de l'année de la Russie en principauté. Je vous remercie.